musical. Salut tout le monde les amis, c'est TheDisBox83, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette application qui permet de avoir des cartes cadeaux de jeux vidéo, que ce soit sur Xbox, PlayStation et Nintendo, et aussi de avoir des cartes cadeaux de V-Bucks. Donc voilà. Alors c'est une application. Alors cette application permet de marcher en ville et aussi de récupérer des coffres pour avoir des cartes cadeaux de jeux vidéo et des V-Bucks. Donc voilà. Et apparemment quand vous marchez, c'est quand vous marchez en ville, donc voilà, quand vous récupérez des coffres. Et aussi vous pouvez obtenir des gemmes. Vous pouvez obtenir des gemmes que ce soit à la boulangerie, que ce soit dans une boulangerie et aussi dans un hôpital aussi. Donc voilà, vous pouvez obtenir des gemmes dans une boulangerie ou dans un hôpital. Alors donc grâce à ça, vous allez voir, si jamais vous testez cette application, et je vous jure, vous allez péter la forme. Alors je vais vous en parler tout de suite. Je vais filmer mon écran téléphone et je vous montre comment fonctionne l'application. Alors, cette application s'appelle Explore Z. Donc, la voici, elle est juste ici. Donc, voilà. Et là, ça permet de récupérer des cartes cadeaux Xbox, PlayStation et Nintendo et des V-Bucks. Donc, voilà. Et on peut se balader en ville partout. Donc, voilà. Donc, on va lancer l'application. Et là, vous voyez, l'application est gratuite. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et là, quand vous voyez, là, il y a des coffres. Il y a des types de coffres. Donc voilà, il y a un coffre violet. Donc un coffre violet, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, donc quand vous voyez, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, il y a des cartes cadeaux Xbox, PlayStation, Xbox et V-Bucks. Donc voilà. Donc voilà, il y a des types de cartes cadeaux. Il y a même Twitch aussi. Et voilà. Et aussi, regardez, dans le coffre doré, vous avez les cartes cadeaux de Netflix, Disney+, et aussi de North Face. Et vous avez aussi les AirPods aussi. Vous pouvez gagner aussi des AirPods. Et aussi, vous pouvez gagner un cinéma pâté. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, vous pouvez gagner aussi des coffres Nike. Par exemple, une casquette, des chaussures, des chaussettes. Voilà, peu importe. Donc, voilà. Et aussi, regardez. Je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez ça là. Ça, c'est un coffre-fort. En fait, quand vous tombez sur un coffre-fort, vous devez glisser avec vos doigts pour déverrouiller les gemmes, c'est très simple. Quand vous tombez sur un coffre-fort, vous glissez vos deux doigts. Et quand vous sentez une vibration, vous cliquez sur déverrouiller. Et là, ça va vous donner des gemmes. Donc voilà. Et là, dans coffre-route, vous avez des cartes cadeaux Amazon. Et aussi, vous pouvez avoir des cartes cadeaux Vans, Asos, Lego. Et aussi, vous pouvez avoir aussi le carte cadeau de Decathlon. Et aussi de Foot Locker. Donc, voilà. Et là, ah oui les gars, je voulais vous dire. Alors, quand vous tombez sur un éclair... Eh ben ça, c'est un challenge. Et en fait, ça va vous tomber sur un défi, par exemple un quiz. Par exemple, si je dis par exemple quelle est la plus haute montagne, l'Everest. Donc voilà. Et aussi,
Vous pouvez faire quel est le nom de cet artiste, par exemple. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. Par exemple, je dis c'est Orelsan, par exemple. Et aussi, vous pouvez dire ben quel est ce logo? Par exemple, je dois dire TikTok. Vous écrivez TikTok, voilà. Et aussi, vous. Et aussi, on peut. Et aussi, ça va vous dire quelle est la nourriture? Dans quel pays se trouve la nourriture? Par exemple, j'écris au Japon, par exemple. Et les gars, si vous en avez marre de rester chez vous, bah vous pouvez vous balader en ville partout. Et aussi, vous pouvez aussi. Vous pouvez. Comment dire? Vous pouvez marcher. Voilà. Vous pouvez marcher partout. Tout partout. Et quand vous êtes sur la voiture avec quelqu'un, quand vous êtes sur la voiture avec une personne, quand vous êtes dans votre voiture, ben en fait, ne jouez pas à Explore Z en conduisant parce que c'est hyper dangereux, c'est vraiment hyper dangereux. Donc voilà, faut pas jouer à Explore Z en conduisant. Et si vous voulez vous mettre à côté d'une personne qui conduit, ben vous pouvez jouer à Explore Z, ben vous pouvez jouer à Explore Z à côté d'une personne qui conduit. Donc voilà. Ah oui les gars, quand vous allez ici sur la cible de fléchette, quand vous allez ici, ben regardez, regardez bien. En fait, c'est la mission du jour. Donc faut accomplir la mission du jour pour gagner 500 gemmes ou 10 000 gemmes. Ok? Donc, vous appuyez sur découvrir la mission. Et là, regardez. Là, ça va vous faire choisir. Ça va vous emmener aux courses. Donc, voilà. Et vous avez 12 minutes pour faire ça. Parce que si vous ne le faites pas, c'est trop tard. Ok? Et là, quand vous allez sur coffre, quand vous allez sur coffre, ben vous voyez, moi je vais prendre celui-là, vous appuyez sur trouver un coffre, et là, regardez, là, il n'est pas très loin de chez moi, il est vraiment pas très loin. Et aussi, par contre, j'ai une chose à vous dire, si vous voulez pas, si vous voulez pas ramasser le coffre avec Amazon dessus et que vous n'êtes pas majeur, ben ce n'est pas une obligation, ce n'est vraiment pas une obligation de le faire. Donc ne le faites pas. Ce que je vous conseille, c'est de choisir ce coffre violet, ce coffre original. Donc voilà. Et quand? Ah oui les gars. En fait, quand vous voyez, vous avez ramassé des coffres. Quand vous ramassez des coffres, ben en fait, vous allez dans ton sac à dos et après, vous sélectionnez un coffre. Par exemple, moi, je choisis ça. Et là, quand vous voyez, j'ai pas 3 000 gemmes, j'ai 2 000 gemmes. Donc voilà, quand vous voyez, j'ai 2 000 gemmes. Là, je suis vraiment pas loin. Et dans Média, vous avez ça. Aussi. Et là, il y a marqué, tu as rejoint Explore Z il y a 23 jours. Par contre, vous, ça peut. Par contre, quand vous avez joué, peut-être que vous avez rejoint Explore Z, peut-être longtemps ou plus, peut-être. Ça dépend. Et dans succès. Quand ça va déverrouiller première fois, ben ça va vous obtenir des gemmes. Et après, vous avez la famille. La famille, par exemple. Par exemple, si vous voulez débloquer ça. Par exemple, si vous voulez follower explorez.lap sur Instagram et envoie nous un DM, ben voilà. Et aussi, vous avez aussi confirmé sur la route. Voilà. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de missions ce que je dois faire. Voilà. Mais par contre, dans Cashback, ben en fait, ça va.
quand vous appuyez sur Nike, ben vous pouvez gagner 30 gemmes et ça va et vous appuyez sur aller sur le site, ça va vous emmener sur un site. Donc voilà. Moi je vais pas le faire. Je vais pas le faire tout de suite parce que voilà. Alors, se rendre dans 100 zones. Donc voilà, se rendre dans 100 zones, ben vous devez faire les 100 zones, voilà. Et là, dans courir, je vais vous montrer. En fait, c'est dans les classements. Il y a marqué qui fait le plus grand nombre de pas aujourd'hui. Ben moi, j'ai pas fait de pas, j'en ai pas fait. Par contre, si vous voulez, vous pouvez inviter des amis. Vous pouvez inviter des amis. Ben moi, je vais pas le faire parce que voilà. Et dans la lettre cœur, dans la lettre, vous avez le code ami comme pour qu'un ami puisse vous rejoindre. Et aussi, vous avez un ami. Et aussi, vous marquez saisis le code pour obtenir 500 gemmes. Donc voilà. Aussi, vous pouvez vous balader en ville, tout ce que vous voulez et quand vous voulez. Donc voilà. Et vous voyez ce coffre Nike, vous voyez, il coûte 1000 gemmes. Donc moi, je vais pas le faire tout de suite, j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que j'ai pas envie de vider mes gemmes. Donc voilà, j'ai pas envie de les vider. Donc voilà. Il y a aussi un coffre GIGN, mais quand vous voyez, c'est fini, l'opération est finie le 3 septembre. Quand vous voyez, c'est le dernier, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, vous pouvez. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application sur Google Play Store et l'App Store. Voilà. Mais sinon, vous pouvez télécharger d'autres applications que Explore Z. Donc voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai parlé de cette application Explore Z. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et d'abonner-vous sur mes réseaux sociaux. Donc restez connectés et à bientôt.